Bonjour amis téléspectateurs, nous sommes à Biabietri, dans un village de la commune de Marcory. Un village, je peux dire au maximum, qui fait partie de la municipalité de Marcory, dont Eric Nyamaka a lancé une caravane. Nous devons, je pourrais dire, finir sa campagne ophtalmologique pour ces riverains-là. Je suis avec Bobby Rouleur, aussi après la chefferie, qui va nous parler un peu de ce beau petit village. Dans le temps, nous faisons partie de la commune de Kouassé. Et nous sommes détachés, puisque nous sommes éloignés, et nous sommes dans la commune de Marcory. Le village, la chefferie, Chakba, qui gère le village. Le chef du village d'Adjabeti, c'est le nom de M. Abro. Et son adjoint, c'est le nom de M. Diako Abou. Alors, dans quelle période vous faites votre fête de génération dans ce village? La fête de génération, c'est une partie du temps en mai. Le 7 mai ou le 19 mai. Vous allez nous prêter, dans votre village, quelles sont les infrastructures du village? Pouvez-nous nous guider? Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure, les femmes qui font de la tchèque, où on peut les trouver ces femmes-là? Effectivement, les femmes qui font de la tchèque sont juste derrière de la patente de la tchèque, juste derrière. Samedi passé. À l'espace Abia Abedi, pour se faire consulter et avoir des verres pharmaceutiques. Marcory Sikoji. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'apothéose, à la dernière étape. Alors pour les étapes passées, du 21 au 23, nous étions à Marcory Sikoji, non loin de la promenade du Grand Marché. Du 24 au 26, nous étions à Marcory Anoumabo, à la place de la chefferie. Le 27, c'est-à-dire hier, nous étions au Champrou. Et aujourd'hui, 28 juillet, c'est-à-dire le dernier jour, nous sommes ici à Biétri Village. Alors, habitants de Biétri, pour ceux qui ont des problèmes creux, la consultation coûte 2000 francs et les verres coûtent 10 000. Nulle part ailleurs ne peut trouver cela, car à la Caritas, les verres les moins chers coûtent 45 000 de nos francs. 70 millions de francs CFA ont été investis par le FSA, le Forum de la Société Civile Africaine, avec son président Nyamaka Togo Eric, candidat aux élections municipales de Marcory. Alors le président Nyamaka a décidé à ce que l'on puisse se voir clair pour pouvoir disséquer les problèmes de Marcory. Marcory Je suis venu à la maison.
à la visée du président Yabaka Okoyelik, pour superviser les activités de la caravane, comme il a si bien fait. Bonjour, comment ça va? Et vous en prie, mon père? D'accord, c'est bon, pas ça. S'il y a des tas d'opérations, tout, on va bien entrer. Ça. On prie Dieu, que tout se passe tranquillement bien. Mais en fait, que Dieu nous bénisse. Les gars, vous êtes dans la chaleur pour vous êtes acclimatisé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ouais, vous êtes tapé fort. Tu as vu ça. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. On s'occupe bien de vous. Si on vous traite mal, dites-moi. Voilà. Jusqu'à ce que le dernier des macros soit pris. Il y a beaucoup de monde dit. Monsieur le maire, on n'est pas informé, on n'est pas au courant, dit bon, ça arrive. Même souvent, même quand on fait un moyen, moi, les gens ne savent pas. Et c'est à cause de vous, nous sommes là. On va aller informer les autres. Bon, ça finit aujourd'hui, à 18h. Là-bas, vous voyez. Là-bas, vous ramenez un peu. Il va pas dire elle. Non, c'est loin. Non, c'est loin. On va couper. Ça va. 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 Ça va